Le Festival of Speed de Goodwood 2017 était comme chaque année le temple de la voiture de sport, bienvenue sur le stand Dacia. La marque roumaine du groupe Renault y exposait sa gamme et ne s'arrêtait pas là, puisqu'elle a même pris part à la course de côte de l'événement. Et contre toute attente, son stand ne désemplissait pas. Une autre petite voiture a fait sensation à Goodwood, ceci est une Fiat 500 de première génération. Au milieu des supercars étaient exposées des variantes méconnues de la citadine italienne. On trouvait parmi ses œuvres de carrossier la Zanzara de Zagato, la Gamine de Vignal ou encore la Jolly de Ghia. Ces réalisations nous rappellent que la Fiat 500 fête ses 60 ans en ce mois de juillet. Faisons maintenant un bond dans le futur avec le Blade Glider de Nissan, toujours aussi atypique avec sa voie avant étroite et sa configuration triplace façon McLaren F1. Le constructeur nippon exposait le concept car électrique pour promouvoir la mobilité zéro émission, mais il se disait sur place que sa production en série n'était plus à l'ordre du jour. Revenons à nos supercars qui restent au cœur du festival. L'événement était l'occasion d'approcher les nouveautés de quelques petits constructeurs. La Fittipaldi EF7 OV8 de 600 chevaux, conçue par le célèbre pilote brésilien qui a donné son nom à la marque, fera ses débuts dans le prochain jeu vidéo Gran Turismo avant d'arriver sur les routes. Elle était exposée à côté de la Zero Uno signée Ital Design. Ce coupé de plus de 600 chevaux, basé sur la Lamborghini Huracan dont il reprend le V10, ne sera produit qu'à 5 exemplaires. Le stand Michelin était l'occasion d'approcher l'hybride de 1000 chevaux de la marque espagnole Boreas. Dévoilée aux dernières 24 heures du Mans, elle ne sera produite qu'à 12 exemplaires. Elle côtoyait la Dendrobium venue de Singapour, qui tire 1500 chevaux d'une motorisation électrique. Enfin, terminons avec cette inattendue McLaren 720S en Lego, que les visiteurs ont participé à terminer. La toute dernière brique a été posée par Lord March, qui accueille le festival sur ses terres. La voiture a demandé l'assemblage de 280 000 pièces pour le plus grand plaisir des petits et des grands.